Bonsoir. Bonjour. Et c'est... Ça fait une... Oh merde, ça filme! Ah oui, bah c'est bien ça. Vas-y, assieds-toi, que je te cadre. On a Tilis, voilà, on voit son nez. Bonjour. Tilis alias Marcel. Marcel, c'est un Connemara. C'est pas grave, c'est quelqu'un qui passe. Vas-y, continue. C'est un Connemara, il y a 9 ans. C'est Tilis, mais on l'appelle Marcel. Voilà, Marcel. Mais oui, j'aime. Parce que... Fais caca. Bref. Ouais. T'es en train de faire de l'ombre, là, on voit plus rien. Pousse-moi, mon bébé, tu fais caca. Ah, alors, le plus dur, c'est de parler face caméra. T'arrives à parler face caméra, toi? Cette fille est insupportable. Bref, voilà. Petite vidéo de présentation. C'est le premier podcast aux équipes de Baudouin. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire avec elle, parce que ça va être très dur psychologiquement. mais voilà. Donc, l'idée, ce sera de faire des vidéos toutes les semaines, tous les mois, enfin, quand on aura le temps. Autour de la vie. Et voilà. Ça crie parce que. Voilà. Il y a toujours de l'ambiance ici. Donc, on va commencer. Moi, c'est Marie. Elle, c'est. C'est Iris et lui, c'est Marcel. Voilà. Alors, nous, on est ici depuis un bon bout de temps déjà. Moi ça fait 7 ans et toi ça fait presque 6 ans. Encore voilà. plus ce qui dit plus. Voilà, Iris elle a son propre cheval, j'ai pas encore, mais peut-être un jour. Elle a son poney, Connemara, il a 9 ans. Et son nom complet c'est quoi? Tilis. Je reprends pas ton nom. Je vais faire ça. Voilà. Elle est dégueulasse. Il y a pas parlé. Ça va tomber. Voilà, il a une balle dans le trou de nez. Super intéressant. Voyez, notre niveau de maturité est très élevé ici. C'est un poney dragon. D'ailleurs, c'est renommé en été c'est Hoe Beach. En été c'est Hoe Beach et en hiver c'est renommé l'asile du Bois de Mai. Voilà. Parce alors. Qu'on a froid, on y est très chaud. Ces vidéos seront axées autour de la vie des cavaliers en général, mais plutôt des cavaliers, pas genre le cavalier qui pose son cul sur le cheval et puis qui va juste monter. On fera un peu tout ce qui tourne autour, des tests de produits, des visites en concours, des présentations de chevaux, des écuries. T'as qui fait le copain, un test de produits? Oui, non, c'est le cheval, de préférence. Je suis des produits de chevaux, c'est un cheval qui fait le copain parce que si c'est sur. Mais je teste pas sur mon cheval d'abord, je teste d'abord sur toi et puis on voit ce que ça donne après. Je teste pas de la graisse pour sabots sur ma tête. Non. Bon, mais Lorraine, je te regarde si grasse. Paris tenue. D'accord, ok. Prends Paris, voilà. Dans une prochaine vidéo. Je mettrai pas ça dans la vidéo, genre. On voit plus rien. Tu bouges la lumière. Pousse ta tête. Explique un peu ce que t'as fait. De toute façon, éclaire la caméra parce que je suis la seule à lever la caméra. Ce que j'ai fait en dispatchant. Putain, faut que je réfléchisse. Depuis combien de temps tu fais du cheval? Je fais du cheval depuis que j'ai 6 ans, j'ai arrêté, puis j'ai repris un métier. Oui, puis après. Je sais plus en fait, je sais bien que j'ai commencé à 6 ans, j'ai arrêté à 8 ans, j'ai recommencé à mes 13 ans, et puis bah voilà, j'ai 20 ans, et je me suis plus jamais arrêtée, et j'ai fait la rencontre de ce petit poney. Dieu mon petit poney. Alors qu'est-ce que tu fais d'autre à part les chevaux? Je suis photographe de métier. Actuellement, je fais une 7e photographie. Voilà, j'apprends la vidéo. Je prends une tout, c'est cool. Voilà. Moi, j'ai 21 ans. Ça fait. Placement de produits, allez voir ma page, j'ai risqué photographie. Ok, on fait une petite pub. Allez voir, on mettra le lien en description. C'est comme ça qu'on fait, hein, je sais pas. On mettra le lien en description. Voilà, on mettra le lien en description. Abonnez-vous, c'est par là, je crois. Par là. Non, par là. Là, voilà. Par abonnez-vous, par c'est par là. Voilà. Non, c'est par là. Oh, peu importe, voilà. C'est chez eux quoi. C'est où? Il faut chercher le petit bouton, normalement il est marqué s'abonner quelque part. Enfin, on débute dans le podcast, on dit arrête avec ta paille de merde. J'expliquais, moi j'ai 21 ans. Voilà. Arrête. Ah, le chercher. Abonnez. Abonnez-vous. Il a pété ses gros lards. Bref, assieds-toi. Je veux pas être toute seule. Voilà. Ah, je sais pas en quoi c'était, mais ça fait pas de prendre. On va prendre.
Je disais pas mon métier. Donc j'ai 21 ans. Je suis en études d'institutrice primaire. Je monte depuis 16 ans. 16 ans, non, pas depuis que j'ai 16 ans, mais depuis 16 ans. Voilà. Bouge-toi, tu. On voit plus Iris. T'as mis elle dans la caméra. J'ai mon premier degré, comme Iris. Iris aussi a son premier degré. En France, ça correspond plus ou moins au galop 4, 5, 6 choix. Ça, c'est les trois ensemble. Voilà. Projet futur, toi, je sais pas. Ça fera plus tard avec ton projet. C'est quoi ton projet? Oh, je décale, hein. Regarde, je suis désolée, mais. Oh, mon bébé. Oh. Comment faire une pause? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un cas de mignonitude. C'est tellement mignon. Regarde-le. Alors, je peux vous dire par contre que c'est hyper dur d'être genre face caméra alors qu'on est toujours derrière. Je suis jamais dans mes vidéos. Jamais. J'aime pas. Mais voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu vas bouffer, c'est ça? Ah, je crois que ça va être l'heure de la bouffe. Et il y a un cheval qui va passer. Je le prenais. Faites pas manger ce chocolat. Ne bouge pas, tu vois. Oh, c'est comment il mettait sa tête sur mes genoux. Bisous. Bisous, je prends bisous. Marcel. Il est gentil, ce côté. J'aime bien ce côté. Ah, mais il mange maman, c'est pas bon, j'aime pas ce qu'on est. Dégage. Et qu'il la bouffe pas. Hein. Bah c'est bon, je crois. On a tout dit. Iris découvre pour la première fois la caméra. Voilà.